Droit de répondre. Je vais répondre à Ngoui de Fokui. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez les cœurs. Connectez-vous. Je viens de suivre le direct de Ngoui de Fokui là. Je vais répondre à Ngoui de Fokui. Parce que dans la vie, il ne faut pas être ingrat. Parce que tu es une sale petite ingrate. L'ingratitude va te prendre. Oui, je vais te répondre, toi, Ngoui. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va devoir mettre la musique. On part au Gabon. Oui. On va au Gabon de tous. Je viens d'avoir un époux, un mec qui va m'épouser. Mais le Gabon aussi, c'est très compliqué. Je vais mettre mon king. Chanel. Voilà, Chanel. Mettez les cœurs, dis donc. Je suis en direct. Mais on a commencé le direct à quelle heure? Il est 23h14, donc à minuit 14, s'il vous plaît. Minuit 14, on arrête. On a commencé à 23h13 même. Donc, vous me dites, je réponds en oui. Oui, parce que je mérite le respect. Donc, oui. Toi, tu as merdé dans ma vie. Connectez-vous, partagez la vidéo. Si vous ne partagez pas mes vidéos, voilà, c'est parce que je suis en fâche avec vous. Il faut partager mes vidéos. Hein. Je vais répondre en oui. J'ai Mozambique, man, prends la vidéo si je donne mon droit de réponse. Je n'ai pas aimé. Parce que je n'ai jamais insulté Fleur de Lille dans ce jour son anniversaire. Au contraire, je suis la seule personne qui a souvent dansé pour elle. Même quand elle me fait du mal. C'est l'année que j'ai décidé que je ne danse pas pour elle. Donc le fait qu'elle me souhaite joyeux anniversaire, à me dégré, à m'insulter comme ça, je ne suis pas d'accord. Donc, on y va. Parce que je ne suis pas d'accord. C'est toi-même qui as maintenant ta pourriture de vie. Donc, ne viens pas. Voilà, voilà. Je dois. Même quand elle me fait du que je ne danse pas pour elle. Voilà, donc, partagez le direct si. Oui, partagez. Bon, il faut partager. Je mets d'abord la musique. C'est vrai que les musiques ne sont pas souvent bien. Non. Partagez. On fait une. Parce que je suis parti, j'ai vu. Je vais mettre la musique gabonaise. Mais. Voilà, je ne sais pas si. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Parce que c'est qu'il y a certains morceaux que je peux mettre aussi pour les Gabonais. Et puis. Oui, allô? 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 C'est pas une personne qui appelle. Je dis alors. Non, je la réponds. Je vais répondre en oui. Oui, c'est comme ça. Je cherche les morceaux que je peux mettre pour oui. Non. Mettre quel morceau pour aller. Voilà, je vais mettre bébé black. Non, je vais mettre désir, plaisir, souffrir. Parce qu'un cancan est en mode de souffrance, de plaisir et de souffrir. Parce que ce n'est pas moi. Il faut reprendre à quoi et tout.
Bon, je vais mettre quel morceau? Non, je ne dois pas mettre certains morceaux. Je dois mettre les morceaux qui ne sont pas monétisés. Voilà. Parce que quand je mets souvent Bébé Black, ça passe. Ça passe. Voici les tout nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro avec Google Tensor 2e génération. Connectez-vous. Tout le monde cherche, cherche, cherche l'amour. Tout le monde dit, dit, l'amour. Tout le monde rêve du grand amour. Mais tout le monde sait que l'amour ici, bah, c'est pas facile. L'amour ici, bah, c'est pas facile. Un amour, un amour, un amour, un amour. Mettez les cœurs pour d'abord. Le premier c'est désir, le deuxième c'est plaisir, le troisième c'est souffrir. Oh, yo, oh, yo. La souffrance veut parler qu'un campon comme un adai. Tu vas pas ce genre d'anniversaire, c'est quoi? Non, je vais lui dire deux mots. Oh, ma poula, t'es pas et primo. Primo. Oh, poussi, t'es ma secondo. Secondo. Gini, pote, et merci, oh, mamma, mio. Gini, oh, dis-y, t'es ni no mouyenge. Oh, longue, la soulesse. C'est vrai, hein? Ce soir, il n'y a pas les étoiles, hein? Il n'y a que la tour Eiffel qui nous dit bonsoir. Merci, ma soeur. Mais ils ont bargaillé là. Quand comme la tour Eiffel te dit bonsoir. Oh, Bébé Black. De la vie, jamais. Ça vient de toujours quand on a 40 ans. Quand ma tour est faite, je dis bonsoir. Hein. Tu as vu où je vis? J'ai l'air. Depuis que mon mari est mort, je suis toujours sur place. Hein. Rien n'a changé dans ma vie, ce que tu dis. Bim! Voilà. Tu es vieille. Oui, quand tu t'es barré. Comme tu es vieille. Tu es devenue vieille. Oui, quand tu t'es barré. Ça t'a balancé. Les
on passe chez Mboué, Mboué de Fokwe. On était pour partager, partager. Ça veut dire on va faire la fête ici là. L'amour de ça, l'amour est forcé. Quelqu'un peut tout aujourd'hui, demain après demain. Mais elle n'est plus pareil. Le nom qu'on dit pareil. La France sauve beaucoup de gens. Hein. Et que la France aussi sauve beaucoup de gens. Oh, muito plenty. Bébé Black, il est mort d'un accident quand il était encore jeune. Notre chanteur préféré, Bébé Black, Daisy Plaisir Souffri. C'était en 1985, Cameroun. Voilà. Bon, mais Waros, je suis que vous savez, il y a certains gens qui, quand ils ont raté leur vie, toi, quand on t'appelle Ngoï, oui, je veux bien, tu dis que je t'appelle Jean Ngoï, Ngoï, Ngoï. Qui a commencé à t'appeler Ngoï ici à Facebook, quand ce n'est pas là où tu es aujourd'hui. Tu es devenu esclave de compresseur. Le nom Ngoué est sorti où? Ngoué de Fokwe. Là où ça a dit non? Oui. Depuis des années, ici à Facebook, j'apprends les gens disent, elle, que toi, que tu dis que tu demandes pardon à certains gens, d'autres non. Même ton pardon est caduque, débouté. Rejeté après moi je te rejette, tu ne représentes même pas la société française, tu ne représentes même pas le Cameroun et tu ne représentes même pas ton ennemi. Parce qu'on t'appelle que raté, tu attends non, et que raté c'est toi, tu as tout raté dans ta vie, hein? Qui m'insulte ici, maman, pardon.
quitte d'abord notre page. Donc voilà. Ici, nous, on dit, ok, nous, on n'est pas là-dedans. Donc oui, je te réponds. Mais fait, mon anniversaire, ton anniversaire, cette année, je n'étais pas sur tes choses anniversaires. Oui. Il faut qu'on parle des autres qui a eu ce dernier temps à Facebook. C'est toi qui as mené des ordres. Hein? Tu sais très bien qu'il y a Nadège Papa. Tu sais très bien qu'il y avait la femme avec qui tu es amoureuse et tout. Que tu peux tuer pour elle. Hein? Vous commencez vos bazanes, vos conneries dans les WhatsApp. Ça vient nous trouver à Facebook. Nous quoi dedans? Enfin bref. Je parle de moi. Tu me sors joyeux anniversaire. Tu sors le Moscato. Tu dis que ce que je bois, que je suis alcoolique. Pardon. Qui a commencé à boire le Moscato ici à Facebook? Ce n'est pas toi. Tu veux que tu cites la genèse des réseaux sociaux? Il y a tes anciennes vidéos. Tu en as tellement fait des milliards que les gens ont oublié ta genèse. Le Moscato, qui commence à boire le Moscato ici? Qui saoulait comme un poisson pourri dans les réseaux sociaux ici? Ce n'est pas toi qui bois le Moscato. Bon, je bois ça parce que j'aime bien. Parce que j'aime tout ce qui est sucré. Hmm? Quoi? Tu dis que tu me sors de l'anniversaire, me dénigrer. Tu veux me dénigrer? Moi, je te pisse à l'arrêt, je te chie à l'arrêt parce que tu ne représentes rien, même devant mes yeux. Tu n'es rien. Tu as raté ta vocation. Hein? Tu devais être comme Nathalie ou quoi? Que, comme les cocos et mille enfants. Elle aussi, c'est un cas. Hein? Tu devais être. Maman, tu devais quitter mes réseaux sociaux depuis. Regarde les coachs à mon chien qui sont arrivés hier. Regarde. Elle est en train de payer un pavillon. Hein? Moi, je ne suis pas avec vous. Voilà. Les apoutus sont arrivés hier. Les Aya Robert, les Leslie, c'est toi, tout ça. Tous ces petits filles-là qui sont arrivés hier. Moi, je pars de l'autre côté. Tu es où dans ça? C'est toi qui racontes l'amitié à tout le monde. C'est toi qui n'es rien. Tu es insulté qui? Moi, j'étais comme un cafard. Tu es un morte depuis enterré, déterré dans ma vie. Donc, peu importe que tu me suis dans ton tout, c'est pour montrer quoi? Parce que tu es jalouse. Oui. Tu es sur les gens, les prostituées. Tu es qui est prostituée dans mes amitiés? C'est toi. C'est toi que ta vie sort chaque temps dans les réseaux sociaux. Ta vie de ta maman. Tu es obligé de porter un chien qui pue, qu'on appelle Filou, le chien de Colette Terrier. Colette Terrier qui devait vivre avec ton pauvre frère. Tu es parti gâter le mariage de ton pauvre frère avec Colette Terrier à cause de la jalousie. Parce que dans ta vie, tu n'as jamais rien fait. Tu n'as rien au pays. L'immeuble, ce n'est pas pour toi. L'enfant, tu n'as pas. Ou Pichou, ou Chichoupi, ou c'est qui, ce n'est pas ton enfant. Comme on a dit, l'enfant est arrivé, c'est dangereux. Et puis quand elle a 18 ans, comme la grande dans le territoire français, il doit choisir. Il est devenu français, mais pas par toi. Tu as aidé qui dans ta famille? Tu as fait quoi? Tu ne dis pas que tu as tes soeurs, que tu as tes soeurs qui sont handicapées. Tu as une soeur handicapée? Non, quoi que tu étais une fille unique, hein? Tu es venu dans les réseaux sociaux avec un ramassis de mensonges. Alors moi, je suis ta merde. Tu n'es rien. Et que tu ne me vaux même pas. Et dis que. J'ai dit que même mon tout de Dagobert que j'ai enlevé, que j'ai ouvert là, le tout de Dagobert ici, est plus important que toi. Tu as déshonoré ta famille Bamile, que tu n'es plus rien. Tu fais maintenant le roi au goudou. Tu entends, non? Tu peux insulter qui? Je choisis. Hein? J'ai dit que je choisis où je veux. Je choisis où je pars. J'ai dit que rien n'est bio. C'est ma personne aujourd'hui, demain, après-demain. Que les abeilles. Il y a une petite fille abeille qui t'a aidé. Où sont les vraies abeilles? Étaient où? Tu étais devenu seul ici. Tu as porté la tenue militaire pendant 3 jours. Yoko Konan, tu dis que toi-même, depuis que tu es. Maman, pardon. Ici, nous, on bloque. Nous, on n'est pas là pour écouter les âneries. On bloque. Qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Violine n'est rien. Elle est partie couper soya. J'ai dit. Quand est-ce que tu me regardes à la fenêtre? Tu as coupé les. Tu as refait les. On a remonté les gros 5. Tu as coupé soya. Tu as refait les fesses. Pour venir tourner où encore dans les soirées africaines? Pas dans les. Mais va au Perché. Va dans les grands milieux des Parisiens. Comme les joueurs Ngosa, les joueurs font la guerre parce que même qu'on attache à Monaco. Non, tu n'es même pas la catégorie, tu es la catégorie sous-cachée. Oui. Donc, toi et moi, on n'est même pas ensemble. J'ai décidé que je veux que tu es non. Tout ce que tu vas faire va rater. Hein? Voilà Patricia May qui a réussi votre combat là. Hein? Non, laissez, je bloque. Vous voyez ça autrement, moi, mais dans la page principale,
J'ai déjà bloqué. Donc, je fais mon anniversaire le 14. Tu es jalouse. Parce que moi, je ne commande rien. N'est-ce pas, tu es un ami. Tu étais mon ami. Je t'ai déjà appelé. Je peut-être que ma côte, envoie-moi quelque chose. Je ne t'ai jamais envoyé. Jamais. Parce que tu ne vaux rien. Oui, quand tu t'as fait du sale, elle t'a fait. Elle t'a fait. L'éduquer. Elle t'a fait du sale. Ici, laissez. L'anniversaire de quoi? Depuis quand il soit jeudi anniversaire, quand comme je l'insulte. Parce que j'ai insulté sa, son âme. Là, maintenant, vraiment, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne jamais dit jamais ici à Facebook. Ne jamais dit jamais ici à Facebook, Miroiros. Qui pouvait savoir qu'aujourd'hui, hein, un cancam allait partir supplier Ngossa. Supplier Ngossa. Que c'est Ngossa qui allait maintenant être ton ailier gauche. Et lié gauche. Oui, c'est Ngossa qui maintenant. Qui pouvait savoir ça? Tu dis que j'étais appelé. Tu es Ngoï? Tu es le port de Fokoué. C'est moi qui a sorti ça. Tes propres gens. Quand vous avez la guerre ici, là, c'est les noms qui sont restés. Non. Je ne sais pas, tu m'appelles Warien. Dégueu, pute et tout ça. Moi, je m'en fous. Ça me chauffe. Ça ne chauffe même pas au gouvernement la joie. On s'en fout. Parce que tu es une femme qui est venue faire des désordres de la diaspora camerounaise. Oui. Tu m'as fait du mal. Tu as fait du mal à beaucoup de gens. Tu crois que les gens t'aiment? Les gens qui t'aiment là, ce sont les petits abeilles, les petits gens qui sont démunis, qui te suivent encore là, c'est tout. Oui. On t'a pas invité, comment on appelle ça, la canne, pourquoi? Je ne suis rien, j'ai gâté la canne, oui. Mais toi, on pouvait quand même t'inviter, non? On t'invite nulle part. Quand tu pars au Cameroun, on t'a vu avec ton fils. On t'a vu avec l'autorité au pays. Non, tu as le même engouement des copines. C'est-à-dire que les copines qui t'apportent rien de bon, que tu là. Comment tu vas crier au Cameroun? Oh là, ton tu n'as fait ce que tu commences à pleurer. Oh, oh, tu es assise, tu pleures. Tu te lèves le matin, tu pleures. Tu te lèves à midi, tu pleures. Alors que, il y a tous les milliardaires là, au Cameroun. Que toi aussi, ils peuvent aussi t'aider. Qui t'a aidé? Personne. Hein? Parce que ton nom est fourré dans la médiocrité. Voilà ta mère là qui souffre partout. Qu'on jette, on rejette partout. Comme un sac de macaboc qui est pourri. Tu vois que moi, ma mère, je vais faire venir ma mère en France. Pour venir vivre dans cette situation? Non. D'abord, un, c'est pas toi qui as fait venir ta mère en France. C'est les amis de Compiègne là. C'est la fille qui était ta grande soeur. Et c'est passé par le via de Clarisse, l'autre fille là. Hein? C'est Clarisse, Anne Clarisse Market, la femme du banquier. C'est elle qui t'a fait tous les papiers là, avec la porte de son mari et tout ça, que tu as fait venir ta mère. Ta mère n'a pas pris Air France venir ici. Ta mère a voyagé par Benin et tout ça pour venir. D'où les problèmes des papiers de ta mère. Toi d'abord, quel statut en France pour dire prétendre que est-ce que tu peux faire un papier, on appelle comment? Le papier là pour faire venir les gens en France. Tu travailles où? Hein? Je regrette. Hein? Les 7000 euros que tu devais me payer là, j'ai regretté. Tu allais me payer ça aujourd'hui. Je regrette. Regarde, il y a un ton. Une pauvre comme toi. Regarde-moi, je tire les valises. Je tire les valises quand je m'en vais chez mes enfants. Carcassonne. En dehors de ça, personne n'a jamais vu tirer les valises. Personne n'a jamais dit, l'autre jour, vous avez fait des annonces avec mon numéro de téléphone privé, ici. J'ai appelé une amie, on a arrangé l'histoire. Maintenant, ça descend un peu. Qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde n'est pas, tu es dans les salles, tu es dans la sale vie. Tout le monde sait, tu vas venir rester une énigme. Tu vas venir rester que oui, il y a eu ce lieu, oui. Mais tu as eu quoi avec le succès que tu as eu? Tu n'as eu aucun. Tu as eu le succès, oui, ça c'est vrai. Marie Laurence avait dit quoi? Écoutez l'histoire. Marie Laurence avait dit que vous devez partir au pays, ensemble, pour aller faire les nagas. Comme tu crois que tu es. Il y a Bamileke. Tu es parti, boum, tu as commencé à faire des pouvoirs avec Marie Laurence. Tu es parti faire. Tu es revenu avec Kalambolina. Tu as encore pris le pouvoir. Là où les gens te saluaient comme si tu étais une vraie reine. Elle t'a dit que si tu repars, n'est-ce pas, tu repartis à la dernière fois au Togo. Et c'est moi qui ai dit ce que tu es au Togo. Comment est-ce que tu es au Togo? Il faut savoir qui je suis. Tu es reparti au Togo, non? Voilà ta misérable vie. No sense. Tu crois que les autofices, tout le monde là ne nous regarde pas dans le noir. Ils ne savent pas qui nous sommes. Tu crois que la diaspora camerounaise ne nous regarde pas. Ils nous regardent tous. Tu as raté ta vocation. Oui. Moi, maintenant, je m'avais refait mes seins. J'ai dit mon petit mari. Maman, parce que mon derrière ne touche pas. Parce que moi, j'ai un derrière intelligent. Hmm?
Je dis, hein, mon derrière intelligent ne touche pas parce que moi j'ai un petit beau derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne me vante pas. J'ai mes petits beaux seins qui sont là. Oui, il n'y a que mon petit ventre. Même les ventres, je sais comment m'habiller. Tu attends, non? Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien. Quand on vit dans un engouement de mensonges, 8 mois de loyer, tu as entendu que j'ai un loyer ici, un pays. 8 mois de loyer, rien. Tu as quoi? Au fait, qu'est-ce que tu as toi? Même les enfants, tu n'as pas. Tu passes ton temps à mentir. Oh, je ne suis plus avec Kouéko et tout. Ça fait des années que je ne suis plus avec Kouéko et tout. Mais Kouya, Kouya, Kouya. Kouéko et tout. Mais les preuves qu'on était ensemble. Oui, elle t'a enregistré partout. Oh, oui, je suis parti, bébé, je suis parti. Il y a une maison là-bas, la gare du Nord, là, derrière, là. Hein, tu donnes 500, je donne 500. Tout est sorti ici. C'était que tu parlais de Lady Ponce. C'était au mois de septembre, non? Le 11 septembre, non? Et tu viens dire, je ne la connais pas, je ne fais pas ceci, non? Tu as assez berné tes comment, tes incassas. Moi, j'appelle les incassas. Qu'est-ce que ça sert? Tu n'es rien. Même si les gens te défendent pour dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Oui. On m'a apporté plein d'autres du canot au commissariat. Non, il n'y a qu'avec toi qu'on est parti. La façon qu'on a, on t'a menacé à la, ici là. On t'a demandé, on t'a... Tu ne savais pas que maman... Le jour là, non, elle dit, donc on sort. Bon, je suis gentil et tout. Il y avait des Camerounais qui parlaient avec elle, qui font le truc... incendie. Elle parle là-bas. Elle dit, vous savez, moi je suis ici en France. C'est cette fille qui... Donc, c'est comme ça qu'elle se fait. Elle me dit, c'est cette fille qui me cherche des problèmes. J'ai dit que... Qu'un camp, c'est quoi? N'est-ce pas? J'ai demandé, comme je t'ai demandé, que où sont tes abeilles? Tu m'as dit quoi? Ah, n'est-ce pas, les abeilles, t'es pour toujours à faire les problèmes. Au moment venu, tu es seule. Et tu étais seule. Même moi, j'étais avec deux personnes dans la salle que tu n'as pas vu. Toi, tu étais seule. Tu m'as fait passer là-bas pour une droguée, pour une machin, tout. Comme c'était pas mon procès, moi, je m'en foutais et tout. J'ai répondu comme j'ai répondu. On m'a demandé que je voulais les indemnités. J'ai dit non. Parce que, j'ai dit non, pourquoi, mais quoi, écoutez l'histoire. On a sorti l'histoire de... Son histoire de FDL. Maman, on a sorti tout ce que tu as fait dans la vie. C'est-à-dire que toutes les agressions qu'elle a eu à faire aux gens, les gens ont porté plainte. Donc, il y avait déjà un dossier épais comme ça. Moi, j'avais un dossier épais. On ne me connaissait même pas. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Toi, tu avais un dossier et comme ça, Flore. C'est là que tu as... Et même les gens que tu parlais avec Edouard, quand ils ont compris, ouais, il faut quand même faire attention. Vous avez été condamné pour agression, avec le couteau, pour agression, avec les ciseaux, avec les tout. Tout ce qui manque. Diamant noir, c'est vous qui mentez dans vos mondes là. Il fallait aller au tribunal. Tu attends, diamant noir. Hein? Diamant, hein? Comment je mens, pardon? Partez d'abord de mon mur. Je ne veux pas les gens ici. Tu mens. On dit vous mentez, madame. On est tous les mondes par l'année à l'école. Hein? Maman, il fallait aller comme ça. Après, non, on tombe dans le fameux problème de sa société FL. On lui demande. Hein? Mais vous avez créé votre société avec combien là? Elle dit avec 1500 euros. Ouais. Et puis l'avocate, hein, parce que c'était les avocats commis d'office que nous ne connaissons même pas et tout ça. Parce qu'elle n'avait même pas d'avocat. On commence à regarder l'histoire et tout. On, oui. Après, on lui dit maintenant que. Mais votre société, quand on voit, c'est dans les 100 000 euros et poussière. Dans les 8. Eh oui, Flore, tu as commencé à manger la bouche. Là, c'était ton procès. Pourquoi il fallait venir dans le deuxième procès pour moi? Oui. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu parles de quoi? Tu perds tout ce que tu fais parce que tu es dans le faux. Tu as menti ici pour l'an 2000. C'est sorti. Tout ce que tu fais, c'est le faux. Et tes abeilles là, qui sont dans les ndukutuku dans la tête, là, les gens là qui n'ont pas fréquenté, qui sont avec toi là, t'es induit en erreur. Tu étais où? Vous voyez la petite saute là, saute qu'on appelle la lionne là. Les chevaliers ont monétisé sa page. Oui. Où elle a fait les erreurs, où. Vous avez retiré sa monétisation. Oui, vous avez. Je dis que vous, si, hein, donc toi, avec ta bande de. Je ne sais même pas, je vais trouver un nouveau nom d'Incassa. Vous n'êtes rien devant les gens sur les réseaux sociaux. Ngossa vous dépasse en tout. La page d'Ngossa, normalement, a encore monétisé si je me trompe. Ta page est où? Tu bois chaque temps, tu es sous, tu te drogues partout. Je suis comme toi. Je suis une femme qui sort de l'île.
Je m'en fais mes techniciens de surface. Je fais mes petites choses. Je gagne mon argent en méta. Toi, tu es parti monétiser ta page où? Avec les Yupougons, aujourd'hui, les Yupougons t'ont vomi. Tes pages sont encore monétisées. On t'a remis tes pages. Tu parles à qui? Tu peux parler? C'est du n'importe quoi. Qui est jalouse? Lolé, je veux être jalouse de Flore par rapport à quoi? Elle a quoi que je n'ai pas? Moi, j'ai mes enfants. Je suis bien assise ici en France. J'ai mon bungalow. Je vois ma tour Eiffel. Flore a quoi? Hein? Pourquoi elle ne trouve pas un HLM? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a rien qui l'avait lâché l'aime. C'est tout. Lâché l'aime qu'elle a pris là-bas depuis des années à Lyon, à Lille. C'est revenu à son fils. Là-bas que son fils, soi-disant, son petit frère vit là-bas. Fleur de Lille a quoi? Hein? Oui, vous avez mal parce que vous avez été dupé. Tu dois continuer à cotiser. Oui. Oui. Le diable les a aveuglés. Donc elle croit toujours à la réussite. Quelle réussite? À quel âge? Regardez là. Tu peux faire les 5. C'est pour qui? Pour venir t'asseoir à Facebook? Ah ben dis donc. Mais rapproche-toi chez les grandes filles comme les Natacha de Monaco, comme ça, qui sont. Toi, maman, il fallait. Elle était belle, hein? Très belle! Quand on avait fait l'histoire là, de sa porte, maman, il fallait avoir. Elle avait un beau petit corps, je dis qu'elle est magnifique. Tu ressembles à quoi maintenant? Une grand-mère bamileke. Maman, tu demandes le port de Foucault. Mouf, tais-toi! Tu es qui? J'ai toujours dansé dans tes anniversaires ici depuis des années. Tu me sors, j'ai l'anniversaire, ma chère, tu ne peux pas me dénigrer, ma soeur. Je suis une femme qui vit. Je suis une femme respectée. Tu vois, j'ai entendu mon nom ici de Wako, wow, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les gens affabulent. Papa, l'enchant affabulé ici. C'est allé où? Tout le monde qui parle de moi, je suis une star. Je suis star puisque tu es une financière blogueuse d'État. J'ai été invité à la Cannes. Et j'ai refusé de manger le kebab. Si c'est toi, tu mangeais sans. Vous là, vous allez manger sans parler. Moi, je ne mange pas la merde, moi. Enfin, je mange le kebab. C'est dans mon propre pays qu'on me met le bon varan. On me met la sauce d'arachide, on me met le bon poisson fumé du Cameroun. On me donne le kebab. Et j'ai dit que non. J'ai gâté tout, c'est vrai. Ça fait quoi? Au moins, je me suis exprimé. Donc, je vais quitter ces couillards pour aller manger quoi? Les kebabs. Vous vous rendez compte? À Bastos en plus. Et les Waros. Ah! Donc, attends. Ce sont les bah, ils avaient peut-être 100 employés, je ne sais pas, il fallait voir, je ne sais pas comment petits employés, là, à quel prix on les paye, c'est n'importe quoi. Mais il fallait voir, tu sens l'esclavage moderne au niveau du Cameroun et tout, mais attends, tu les vois, ce sont les seigneurs, les tuques sont les qui? Mais dis donc, moi je connais quand même la haute société de mon état, hein? Oui? Il fallait voir, et puis ils sont là, ils fument les chichas. D'abord, il y a le kebab à Tchède, il n'y a pas la bière. Oh, madame, ici, il n'y a pas la bière. Ici, c'est... Vous voyez quoi? Donc, non seulement quand on me fait manger le kebab, en plus, dans mon pays, il n'y a pas la bière. Maman, il fallait entendre l'histoire-ci. Je suis sorti. Bah oui. Je dis, bah, attends, on est où là? C'est là qu'on a appelé madame Mouchiki, qu'il y a une qui a pété le pont ici. Oui. L'endemain, il nous a convoqué direct de la France et tout. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez vous faire berner par n'importe quoi. Enfin, je mange le kebab. J'ai eu à manger comme tout le monde. Ce sont les petits, on appelle ça les petits encadres quand tu as faim. Oui, parce que la famille ne crie qu'à la faim. Quand tu as faim, tu peux rien faire. Tu peux manger le kebab. Mais moi, dans mon propre pays, on me donne le kebab et tu viens me parler de tout par la qui. Et c'est ce que c'était toi qu'on invitait à la Cannes. Toi, on ne t'a jamais invité nulle part. Aucune autorité. On ne t'a pas invité nulle part. Voilà Mireille Blanche qui est partie avec Emmanuel. Même comme Mireille Blanche n'était pas invitée là-bas. Elle au moins, elle n'est pas française. On a tout arrangé depuis le pays. Elle est partie représenter le Cameroun là-bas dans leurs histoires-là. Tu m'entends? Toi, personne, aucune autorité t'a jamais invité nulle part. Il n'y a que les soirées, les wesh, les worry, qu'on t'invite. Tu dis que tu es numéro uno. Moi, je suis numéro uno de Facebook parce que moi, j'ai quand même été invité. J'ai nagé au Mont-Fébé. Toi, tu étais obligé de payer ton billet d'avion. Tu as voyagé à Airbosa. Parce que Bruxelles est lancée Airbosa. Oui. Moi, j'ai voyagé où? Direct Air France. Classe affaires. J'ai dormi comme ça. Avec le nouveau mari qui s'est monté. Toi, tu as invité où? Pourtant, on connaît ta force de frappe.
Même et ton fils, il t'a rien invité où? Tu n'as jamais été invité par un officiel au Cameroun, donc tu n'es même pas blogueuse, tu n'es rien, tu n'es qu'une sombre prostitute. Les cœurs, s'il vous plaît. L'incarcération là. Tous ceux qui n'aiment pas comme ça qu'on parle de leur gourou. Un gourou échoué. Après, tu attends qu'on les invite aux États-Unis pour aller finir les chelèches avec les femmes des États-Unis qui ressemblent aux hommes là. Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Elle est en train de traîner dans les petites soirées. Les petites soirées à deux balles, de 200 euros, 300 euros. Qui? On t'a dit que je me lève devant n'importe comment, pas n'importe où. Non. Je suis fier de moi. Mon mari et moi, depuis des années, je suis dans mon bon gars aussi, que vous voyez. Mon mari a violé mes enfants. Mais alors, si mon mari a violé mes enfants, tu étais là quand il violait mes enfants. Ça fait quoi? Ce sont ses enfants. Alors, il pouvait même les violer, même les donner, même mettre même enceinte. Vous êtes tellement bête et idiot. Attends, non. Non, c'est un beau ça. Le vol qui part direct au Cameroun, c'est le vol là qu'il faut. Tous les vols, je dis que tous les vols, vous comprenez? Tous les vols, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et que tous les vols qui partent, Air France direct, Cameroun Airline direct, ça c'est les vols normales. Les vols qu'on tourne là, que tu veux pas le vol ici pour aller parler dans notre pays, c'est transit, vrai ou faux? Hein? Attends, c'est le transit. J'ai dit que tous les vols que tu prends le vol ici pour aller prendre dans notre pays, ça s'appelle le transit. Donc c'est le Air Boza. Donc le vol là, tout le monde qui prend Bruxelles Airlines. Et je vous dis qu'il y a un problème, il y a une zone de turbulence là où quand tu prends Air France ici pour aller à Bruxelles, maman, connaissez l'avion ne fait que. C'est parce que c'est Air Boza, dis donc, même si ça arrive le même jour, c'est Air Boza. Le vrai vol c'est direct. Vous dites Yami. Air Bruxelles, c'est le Boza. Même si vous arrivez le même jour, tu as quand même plein de vols pour aller dans notre pays, non? Ça s'appelle Air Boza. Tu as appris quoi? Air Boza, Air Bruxelles. Quand ça va même pas, tu prends Air Maroc. Finalement, toi, tu sais affirmer en première classe un jour. Hein? Tu sais affirmer en première classe un jour. Moi, je vais remettre la vidéo. Là, je suis en première classe. Là, je dors en première classe. Tu peux être pas en première classe. Villageoise. Tu es une villageoise, dis donc. Tu es une femme de sous-quartier. Air France est meilleure, moi, Jamaduna. Hein? Elle parle de quoi? Le jour que tu partes au Cameroun, qui t'a même. Tu as fait le bruit là-bas, tu as allumé la radio, comme tu voulais entendre quand t'es. Les petites radios de sous-quartier qu'on t'invite là. Cancam. Les radios de quoi? Il faut aller à Vision 4, il faut aller dans les trucs. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu prends un Boza, tu parles une femme qui parle un Boza comme toi. Moi, je prends un Boza parce que c'est mon niveau. Moi, j'ai pas assez de moyens. Mais quand moi, m'ai invité au Cameroun, aller-retour. Qu'on appelle Air France First Class, je suis couché comme ça. Bon. Oui, j'ai dit que je le kebab m'a fait rentrer en France. J'accepte. Toi, tu as monté, tu montes où? Tu est-ce que un jour tu sais même, tu sais ce qu'on appelle que tu sais ce qu'on appelle que First Class ou bien tu sais ce qu'on appelle que business class? Jamais. Finalement, nous là où tu es souvent assis, là où tu vas au Cameroun, tu ne peux pas parce que tu es une villageoise. Hein? Tu es une villageoise, on n'invite pas les gens comme toi. Moi, notre buzz qui a eu quand même pendant 3 semaines, on a parlé des influenceurs de beaucoup d'États. Peu importe comment ça a été sali. Mais nous, tout le monde connaît le nom de Malik Zibouzoun. On connaît Veuve Joyeuse, on connaît le nom Fondia. Nous ne sommes pas n'importe qui. On ne connaît que la présidente. Toi, on ne te connaît pas. On te connaît seulement que tu as déjà avec les chiens, les chats, les serpents et tout. Donc, tu ne parles pas une influenceuse comme moi. Je suis une vraie influenceuse de blogueuse d'État. Tu n'es rien devant moi. Tu ne seras jamais rien devant moi. Tu vas dire quelque chose devant tes gens. C'est tout. Mes cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Les têtes, moi, ça ne sert à rien. Quand quand même fini, acceptez ça. Elle vous a amené là-bas à vous pour que vous allez commencer à dire bientôt. Regardez-moi les rates comme ça là. Moi, je suis grand-mère, une vraie grand-mère. Elle n'a même rien dans vos yeux ici. Vous voyez, regardez, ouais. La femme, ça fait quoi? Continuez à mettre les têtes de mort. Les têtes de mort aussi, ça fait partie des revendications de Facebook. C'est pour ça que Mark Zuckerberg a mis les têtes de mort. Maman, elle est finie comme les funérailles de Fokwe. Maman, qui l'aurait su?
Quand je dis tu vas aller, elle va maintenant chez les comment on appelle ça? Elle va maintenant chez les Bassa. Elle va commenter aussi chez Pam. Tu as oublié comment tu avais fait avec Pam ici, les enfants de Pam. On les mettait les petits bottes, les petits pois avec les petits bottes. Boum, 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 qui partent à l'école ici, les deux petits jumelles. Là. Tu as oublié que quand on m'a droit aux toilettes, on m'a fait ceci, alors que tout ça c'est le mensonge. Tout ça, tu mens tellement sur toi-même, sur tous les gens, sur toute ta famille, sur tous les gens qui sont autour de toi, que tu as besoin d'avoir les gens qui te croient. Les gens t'ont cru, mais maintenant les gens ne te croient plus. Ils ne suis pas cru que tout. Tu m'as jamais entendu un jour que j'ai mis la langue ici, dans les fesses d'une femme. Tu m'as jamais entendu que je suis parti faire la pute quelque part. Je me suffis comme je peux, j'ai fait ma vie. Tu étais où au Cameroun quand nous on était au Cameroun? Parce que nous on ne te connaît pas au Cameroun. Hein. Tu as grandi dans quel quartier? Je ne sais pas. Tu étais dans quel coin au Cameroun? À Douala? À Douala ou à Yaoundé? À Bassa, attends. Nous on ne te connaît pas. Hein. Tu fumais le bang avec qui? Tu me fais le muscado à l'époque avec qui là-bas? Quand on ne te connaît pas, donne-nous ton parcours avant d'arriver ici. Et ce que tu as atterri en Bénin, tu as atterri en Allemagne chez une dame là. Une dame Bassa qui t'a accueilli. Et tu quittais là-bas pour aller à Lille. Fleur de Lille, fleur de mes fesses, oui. Voilà. Donc, comme samedi, j'ai fait mon anniversaire. Même s'il n'y a même pas de champagne. Tu vas voir comment je suis belle, classe, élégante. Je n'ai pas demandé aux gens de me donner. C'est mon argent personnel. Quand toi tu dors, moi je me lève le matin pour aller laver le sol. Il aurait su que madame dit que moi pour laver le sol. Mais je me suis mis à ma place. J'habite ici depuis. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand les gens se mettent les têtes de moi comme ça, ce n'est pas bon pour ma page. C'est une page monétisée. Ta page est monétisée par Yupogon. Yupogon a retiré les monétisations dans ta page. Tu peux mourir. Tu aurais cru que la. J'ai dit que quand. Vous avez dit quoi? Partez devant, non, là, vous n'avez pas revenu de. Voilà ma monétisation qui est là. Ta monétisation de ça. Toi, tu as quoi aujourd'hui? Interdit, en tant que je suis interdit bancaire en France. Carte MAP, carte PCS. Carte PCS, MAP, carte. Toi, tu as carte PCS. Moi, je suis à la CIC. Et je suis aussi à la Poste. Oui. Est-ce que tu ouvres n'importe quel compte à la CIC? Interdit bancaire. Voilà, il peut qui a pris votre argent jusqu'à prendre vos pages, jusqu'à vous payer à Facebook. Qui a pris ma page? Ma page est là que roi. Vous allez signaler, ça va faire quoi? Vous signalez, ils vont me dire qu'on a signalé. On me dit même les noms des gens qui ont signalé. Quand on n'est plus rien, monétise ta page. Voilà tes gens. Tes gens n'ont pas monétisé la page de la Lionne RT. Pourquoi tes gens n'ont pas monétisé ta propre page, toi? Mais parce qu'ils ont peur de toi. Pourquoi tes gens n'ont pas monétisé ta page? Elle avait le droit de pour tout le monde pour monter sur sa page parce que tu n'as pas les papiers. Et que tu avais peur que finalement, comme elles sont souvent, elles font sur leurs vidéos dans leur page là, des abrutis à bête de manfola, qu'elles prennent ta page. Yupougon a pris ta page, non bon. Tu ne fais plus rien, tu n'es plus monétisé, tu ne gagnes plus rien. Le moins, tu veux gagner des millions, toi tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Courir toujours devant. Je cours derrière. Regarde, j'ai mes petits publicités. Nouveau Mazda. Mes petits publicités. Hein. J'ai mes publicités. Toi, tu as quoi? Allez-y. Tu es suite qui? Je suis comme toi. Je suis ton ami. On se connaît. Je mange avec les filles de Lille. Tu as été. Tu n'es plus. Accepte ça. Accepte que tu as raté ta vie. Oui. Moi, j'ai dit que tout le monde court. Je suis tout derrière. Mais c'est, on dit souvent que les derniers seront devant. Oui. Un jour, ma grand-mère est partie à l'église. C'est elle qui le raconte. Donc, elle arrive à l'église. Comme on sait souvent qu'elle a sa peste devant nous. Maintenant, on lui a mis derrière. Le fata. Comment on appelle ça? Le pasteur. Nous, c'est le pasteur. Les catholiques, ils ont quoi? Il est parti chercher ma grand-mère derrière. Venir s'asseoir dans sa place et mettre la fille là derrière. La fille est sortie de l'église. Oui. Moi, j'attends toujours mon rôle, mon tour.
Et moi, tout va arriver de briller à Facebook. Et je brille déjà depuis des années. Je ne t'ai pas attendu pour briller. Tu m'as fait du mal. Il faut accepter. Tu n'as jamais demandé pardon aux gens que tu as fait du mal. Toi, tu me connaissais où? Tu m'as fait du mal. Oh, j'ai une petite fille de 18 ans. Tiens. Oh, mon mari, j'ai tué mon mari avec la matière. Tout ce que tu as fait sur moi. Maintenant, quand Kwekwe a dit là où c'est de nuit, moi, je suis avec Kwekwe tout. Je l'ai pardonné toujours. Je suis une jumelle. Jumelle ne pardonne pas vite. Toi, je ne te pardonnerai jamais. Et tu vas aller brûler en enfer avec ton mensonge. Pause de publicité, s'il vous plaît. C'est quoi? Les étoiles sont bloquées ce soir. Première vidéo sans étoiles, deuxième vidéo sans étoiles, ça veut dire quoi? Ne mettez pas. Moi, j'ai mes petites publicités qui me passent. Hein. Elle dit que Air France, la meilleure compagnie, laissez ça. Oui. Même quand. Cameroun Airlines à l'époque. Oui. Tu vas avoir le panari, la personne qui m'était de moi là. Tu auras le panari toute ta vie. Toute ta vie. Le panari t'attend. Tu viens la défendre par rapport à quelqu'un comme ça ne sert à rien. Ma page est monétisée. C'est un nom. Vous pouvez signaler. Dès que vous signalez, tout de suite, ils m'écrivent qu'on a signalé. Et ils me demandent de conserver la vidéo ou bien je vais porter plainte aux gens qui ont signalé. Comme je n'ai pas dit des longs discours, des longs tout de méta. Je dis seulement que supprimer la vidéo. Certains non. Donc, même si après on va m'écrire, donc ça ne sert à rien. Donc, voilà. La vie, c'est comme ça. Quand Cam n'est plus rien, tu es fini. Cam m'insultait toujours dans le jour de mon anniversaire, il dit que comment je bois les moscato. Qui apprend les moscato ici à Facebook? C'est toi qui commences à boire les moscato ici à Facebook. Tu étais sous, toujours sous dans tes vidéos. À l'époque, les moscados étaient encore violents. Ils ont baissé le moscado, il y avait l'alcool dedans, plus que dans tous les huit. C'est après, maintenant qu'il y a vous qui avez les morts, il y avait beaucoup de choses, qu'on a baissé le volume de moscado. Moscado, tu buvais un verre. Le deuxième verre, tu étais à KO. Non. Je vous dis. Qui a amené le moscado ici? C'est toi qui as amené tout ça. Si j'ai dit que je prends le moscado, ça fait quoi? C'est pas en vain. Toi, tu ne bois pas ça. Et tu as fini une bouteille. Tu es sûr de qui? Je ne suis pas de ton acabit. Toi et moi, on n'a jamais vécu. Montre-nous, tu as. Parle-nous pas de toi. Qui te connaît vraiment? Qui te connaît, Kankam? Qui te connaît les réseaux sociaux? Hein? Qui te connaît les réseaux sociaux? Tu as commencé à faire la merde étant à Lille. Quand on sortait les soirées ici, tu as gâté toutes les soirées parisiennes. Toi-ci. Mais ton mauvais cœur, tu es manqué, tes choses se filent, ça. Aujourd'hui, tu crois que les gens te regardent comment? Même la maman Honorine, tu as gâté ses soins, tu gâtes tout ce que tu gâtes tout. Tu nous as trouvé ici à Paris, on avait nos soirées passées. Chaque mois, on savait qu'il y avait une soirée quelque part. On partait, on dansait. On était la communauté camerounaise, on partait, on dansait avec nos maris et tous nos copains et tout. On dansait. Depuis que tu es arrivé, tu as tout arrêté. Hein? Tu es venu pour montrer que tu es la numéro 1. Tu as fait alors quoi, la numéro 1? Tu es numéro 0, numéro double 0, tu ne vaux rien. Tu es la racaille de la République, même le Cameroun. La France ne te connaît pas. Le Cameroun ne te connaît pas. Oui. Tu as déjà été invité par quelle autorité? Le karma t'a appris, le vrai karma, tu parles à qui? Je n'ai pas peur de toi. La galette et tout ce genre-là, comment tu tires les valises? Tu as entendu mon histoire à Facebook, mon histoire c'est les conneries qu'on raconte chaque temps. Oh, vos joyeuses a fait comme ça, vos joyeuses a pris la drogue. Oui, j'ai pris, ça fait quoi? Toi, tu prends chaque temps. Quoi, tout t'a mis ou pas? Tente seulement de faire la procédure comme tu dis là. Ce sont tes enfants. Ne pas tu as dit que ce n'est pas ta femme, que tu la refuses, que tu n'as jamais rien fait avec elle. Pourquoi tu la suis toujours? Elle s'assoit que je veux faire, tu veux faire quoi? Quoi, tout. Nous, on est là. Tu ne peux rien faire. Tu es à tout des murs. Quoi tout aujourd'hui, demain, après demain. Je dis que demain, après demain, avec quoi tout. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu ne peux rien, ma chérie. Tu attends, non. Tu as raté ta vie. Tu n'as pas honte. Même la monétisation, tu as raté. Oh, oh, oh. Oh, oh. La vie, c'est la chance. Oh, oh. Quoi tout, tu as fait venir tous les enfants, tes deux enfants, les garçons, la petite noire, là. Avec l'argent des abeilles. Tu as fait quoi? Hein? Tu as porté 7000 euros pour faire venir ta mère chez Serafine, chez Teresa, à Compiègne là-bas. Tu as remboursé. Ingrate que tu sois. Le désordre est collectif, mais l'échec est personnel. Tu entends, non? Moi, je t'affronte quand tu veux.
parce que tu as fait ici. Tu peux faire quoi? Qui? Tu peux taper qui? Tu es là, tu es là. Tout le monde est violent. Regarde-toi, tu dis où? Tu as quoi? 8 mois de loyer sans payer. Elle se dit star. Elle voyage partout. Regarde les mal ouest. Regarde les gens qu'on ne connaissait même pas. Avant, Yupougon n'était pas au courant de Yupougon à Facebook. On était au courant des Camerounaises. C'est nous qui avons commencé les clashs. C'est nous qui avons commencé tout à Facebook. On est aujourd'hui derrière. C'est les Yupougon. Tu as vu, ils font leur soirée. On ne t'invite même plus dans leur soirée. Parce que tu déshonores. Tu déshonores tout le monde. La vie, c'est lâche. Mettez les cœurs. Il y a que je dois encore mettre les cœurs. Moi, mais vous êtes 300 personnes. Regardez là. Hein? Les gens signent ma page. Je te reprends. Mon anniversaire va se passer très bien. Ça va se passer très bien, ma chérie. Je ne fais pas des anniversaires fictifs. Des anniversaires qu'il faut payer. Ici, on te amène ton moscato. Moi, je donne à manger. On boit. On fait l'anniversaire. C'est ça. J'attends, non. Je suis la dernière de Facebook, non. Nous voici devant. Te voilà qui parle maintenant. Te voilà maintenant qui court derrière Ngossa. Maintenant, c'est Ngossa. Ngossa, ma co, t'as le coup de ça. Maintenant, c'est Ngossa qui est devenu ta co. Tu l'aurais su. Tiens. Tu dis que qui t'appelle, tu t'appelles Ngoui. C'est Ngossa qui a dit que tu t'appelles Ngoui. Avec sa bande. Ngossa, ça t'a tenu tête ici à Facebook aujourd'hui. Là, tu n'as même pas honte. Tu déshonores les babliqués, tu déshonores les abeilles, tu déshonores tout le monde. Tu peux encore crier ou chez Ngossa. Ma pépé. Elle t'a dit que je suis illettré, je ne suis rien. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu as vu que chez nous là-bas, c'est non grata. Chez moi, là, ça ne sert à rien. Tu vas aller où? Tu cherches quelqu'un qui est fort. Et comme Ngossa aussi était dans la maladie et tout ça. Voilà ça. Maintenant, maman, je respecte Ngossa plus que toi maintenant. C'est ma pépé. Même si je m'en fous de ton amitié, je n'ai pas besoin. Mais je respecte Ngossa. Parce que Ngossa est restée assise chez elle, dans son bungalow, dans sa merde et tout. C'est toi qui t'es déplacé. Tu as porté la tenue militaire pendant 3 jours ici. On a même pitié de toi. Ngonga a trop faim, oui. C'est même ça. Même tu as la faim. C'est même ça. Même si Ngonga a faim, mais. C'est quand même la numéro 1 des réseaux sociaux qui est capable de déplacer pour aller là-bas. Pour chercher la pitié. Pitié pour prendre. Elle dit que les deux teams les plus. Les plus quoi? Les deux teams les plus quoi des réseaux sociaux? Money Billy, je demande Money Billy. Chagrin d'amour. Tu as le chagrin d'amour de Kwekwetu, tu ne peux plus t'en sortir. Donc, ma, j'ai ça avec Kwekwetu. Tu es fini. Voici les tout nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro avec Google Tensor 2e génération. Oui, tu es fini. Oui. Je ne peux pas prendre mettre seulement les trucs. Je baisse d'abord, mais. La vie, c'est la chaîne. Non, je vais mettre chagrin d'amour. Parce que moi, je mets mon ibilé. Oh, ma soeur Valérie Amour, merci, tu vas me bénir. Bah, celui-là, hein, parce que j'étais très malade, mais ça va déjà un peu. Donc, bon, si tu es aux environs de Paris, hein, la maison est là. Moi, je fais. Mais bon, mon anniversaire, là, moi, c'est samedi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose ici. Voilà. Donc, si tu es dans les environs de Paris, tu m'appelles seulement. Donc, voilà, y a pas de... Moi, je ne veux pas répondre comme Fiori m'a insulté là. Je ne la réponds pas même parce qu'elle et moi n'ont pas le même langage. Son langage est tellement bas que je ne suis pas comme elle. Oui. Il faut demander à cette chose, cette énigmène, cette phénomène inexpliqué de la Terre qui a bousé la vie de beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. Là où elle sort, elle a commencé à faire sa puterie. Où? Mais tu viens, mais je vais t'accueillir, Valérie. Attends. Tu vas venir voir un gars ici là où? Non. Ici c'est la joie. Merci. Vous comprenez, non? Black Beauty part, les gens qui voulaient passer, vous venez, il n'y a pas de souci. J'ai mon anniversaire. Tu m'insultes à mon anniversaire quand t'as fait qui? Quand elle fait ses anniversaires, j'ai insulté. Oh, tu avais les gens. Qui t'a insulté Ngwe ici? C'est moi qui t'a dit Ngwe. C'est les mêmes gens que tu es là. Mamie Mbouma, c'est qui? Mamie Mbouma, c'est les gens de compresseur. Tu as suivi
D'appeler un peu Mamie Mbouma. Mamie Mbouma, elle-même d'abord, même, elle est sous le chèque de temps, moi je m'en fous d'elle. Va voir Mamie Mbouma. Mamie Mbouma, c'est qui ce compresseur, non? La bande de compresseurs. Comme toi, tu es ta bande des abeilles. Elle aussi, leur groupe, c'est Mamie Mbouma. Tapez Mamie Mbouma, même à YouTube. Vous allez voir comment on descend. Même moi, on me descend là-bas, moi je m'en fous. On descend, on te, à l'heure, si ils sont en train de descendre. La honte peut te tuer. On a même mis des anciennes vidéos là où tu avais chassé une femme dans un ici au bord de Boulogne, dans la puterie ici là. Je suis comme toi. Tu as entendu que mon nom est quelque part. Les gens fabriquent les vidéos, les trucs chaque temps. Oh, mais les photos que je suis posée, tu sais, ça fait quoi? Même si je fais la posture, j'ai une maison ici, je peux faire ça ici, ça paye. Ici, je suis dans le milieu des riches. Il faut savoir que chaque fois que tu viens ici là, assuré, je suis au courant. Quand je tape ou annonce, je tape, je dis que je tape mes wallos, je tape ou annonce, je ne vous mens pas. Je vois tous les numéros, parce qu'ici, là, il n'y a pas assez de monde. Ici, ici, vous connaissez les fameux hôtels, je suis là, c'est ici, à tout effet, c'est ici. Le quartier de la Neuilly, c'est ici, là où il y a les milliardaires, c'est ici. Le 16e, c'est ici, je suis au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Le matin, quand ils sont là, parfois, quand je prends le café, le jour que je prends mon café, vous voyez les voitures qui descendent ici, ce n'est que les Ferrari, les Porsche qui descendent là. Vous allez me dire que, oh, je ne gagne pas pour moi, pourquoi? Il y a un temps pour tout. C'est quoi? Il y a un temps pour tout dans la vie. On est pareil. Le jour que j'aurai faim, je vais appeler la tâche de mon accord. J'appelle Valérie Amourou. J'appelle mes soeurs que, aidez-moi, elles vont m'aider, elles vont m'envoyer les cartes PCS. Comment on dit les cartes PCS? Mais ils ont bargamé. J'appelle même Doudé Ngama, il dit que mon argent c'est comment, ça ne va pas. Doudé Ngama va aller m'envoyer l'argent. Vous ne croyez pas. Même Amazon m'envoie l'argent. Quand ça ne va pas. Mais tant que je me débrouille dans ma vie, je suis une femme comme elle. Je me débrouille dans ma vie. Pourquoi je vais demander? N'en parlons pas de Stella Amour. Stella Amour alors. Pourquoi tu gagnes? Ça ne va pas ici. Elle m'envoie combien? Je ne peux pas vous. Les montants. Vous parlez même de quoi? Tant que moi-même j'essaie de gagner ma vie, pourquoi je veux déranger mes soeurs? C'est à côté de Kassachikot, même qui vient parler, colérique, elle vomit souvent dans les réseaux sociaux. Arrêtons un peu. J'ai fêté mon anniversaire. Tu m'insultes pourquoi? J'avais un poumon avec toi. Je suis maintenant avec. Tu me traites de celle qui boit les mousquetaires. Oui, moi je bois les mousquetaires parce que j'ai appris à boire les mousquetaires devant toi. Oui. Oui. C'est moi qui t'ai nommé non, oui. Depuis que tu m'appelles Warren, et que ça me chauffe. Ça ne chauffe pas chez les Warriors. N'est-ce pas toi-même, toi, que je m'appelle Warren? Pour se moquer de moi. Parce que toi, tu es né pour se moquer, mais attends. Mais les gens que tu te moques de, te dépassent. Moi, la Warren que tu es sur moi, te dépasse en tout. En tout. Je couche avec le gars de ma fille. Et alors, c'est interdit. Oui. Tant que vous aurez ce genre de comportement, je couche avec le gars de ma fille. Les gens cherchent n'importe quoi pour tuer les gens des réseaux sociaux. Ça me fait mal. Ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe pas. Voilà Renmé Bio qui a mis toute une team à terre. Renmé Bio. Comme était ici, acculé ici là. La honte à la tuer. On a vu qui? On vous a vu. La petite fille là est sortie là, la petite troubadour là, on appelle Homer Simpson. La lionne là, elle est sortie pour défendre. Vous avez dit que vous allez l'aider, vous allez monétiser sa page. Après, parce qu'elle vous a enlevé comme admin et tout, vous allez enlever la monétisation. Et vous dites que c'est elle qui a maintenant, c'est... Non, 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 non. C'est vous qui avez fait la monétisation. Oui. C'est vous. Elle a vos documents comment? Vous avez envoyé les documents. Est-ce qu'on monétise au Cameroun? Non. On ne monétise pas au Cameroun, on monétise en France. Oui. Quand elle dit Youpougon, c'est en France. Toute la monétisation, il n'y a pas encore de monétisation en Afrique. C'est ici, en Europe, qu'on monétise tout. Vous parlez de quoi? Vous voulez à manger, vous commencez à manger la bouche. Oh, on lui a envoyé nos papiers documentaires. Elle n'a aucun document de vous. Vous mentez. C'est ici qu'il y a tout. C'est vous qui avez monétisé. C'est ici qu'on monétise. Moi, je peux dire que oui. Au Chica, mes trucs de monétisation, oui. Que je lui avais envoyé. Mais elle n'a plus rien. Que j'ai tout effacé. Peut-être qu'elle a gardé ça dans un fichier. Ça va faire quoi? Moi, j'ai zéro. Moi, je paye d'abord que l'impôt. Je gagne d'abord quoi? Elle va dire quoi?
Je suis consciente. Même les petites publicités qui passent là. Le jour que les fils qui me prennent, je veux payer. Je veux payer. C'est quoi? Chaque personne fait sa vie comme il veut. Tout le monde aide ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous croyez même? Vous n'aimez, vous avez choisi qu'il y a une seule personne que tout le monde doit aimer. Jamais. Quand je ne suis plus avec toi, je me suis désolidarisé de toi. Depuis que. Pourquoi toi as dit que c'est toi qui m'as fait ce que tu as fait là? Tu sors d'un truc, vous criez les trucs. Tu avais commencé chez Waman. Waman t'a appris comment faire les choses. Tu as dit que je veux venir pourrir Paris. Tu sors d'où? Fleur de Lille, Fleur de Lille. Tu trouves les Parisiennes comme nous? Tu venais défier. Aujourd'hui, tu es où? Je suis Parisienne, ma chérie. Je reste que tu es Parisienne. Tu n'as jamais appris que quelqu'un m'a hébergé ici en France. Depuis que mon mari est d'ail, je suis ici dans mon bungalow. Avec ma tour Eiffel. Tu entends? Tu pars couper les seins, tu couvres le ventre, tu couvres les soeurs. Et puis quand tu pars tes vidéos là-bas, quand je regarde la vidéo, tu parles des trucs du quartier, du sous-quartier. Tu as dormi où dans quel hôtel au Cameroun? Tu as couché avec quel représentant du Cameroun, force de l'ordre au pays? Tu as fait quoi? Il faut savoir, on va connaître ta base de l'histoire de Facebook. Tu es arrivé ici comment? Une bosaïeuse me parle? Oui, il y a les bosaïeuses qui peuvent me parler. J'accepte qu'ils sont gentils. Mais toi, tu as fait comment? Mais moi, je sais comment tu as fait. Bénin, Allemagne. Allemagne, tu as atterri à Lille. Et qui t'a pris en main? Junior Mobutan. Il faut faire attention, hein. C'est n'importe quoi. Qui a commencé à voir le Moscato ici? C'est pas toi. On a insulté qui Ngoï. Ngoï, c'est qui? Regarde, toi, tu n'as même pas honte. On t'a dénigré, c'est Ngoï de Foukoué. Ngospita dénigré ici. Insulté, maman, en a mangal, in goggle. Insulté jusqu'à. Aujourd'hui, tu pars où? C'est là-bas que tu pars, couillant. Et tu viens dire quoi? Tu me peux? Les cœurs, s'il vous plaît, ça bouge. Je te réponds. Tu peux m'attaquer, moi. Et vous dites que j'étais malade, non? Vous voyez comment ma force vient, non? Attends. Tu es qui? C'est quoi les vies dans les petits bébés, dans les restaurants africains, les trucs africains? Moi, tu sais comment j'ai jamais vécu. Je ne bouge pas. Je n'ai pas fait quoi? Quand je pars quelque part, d'abord, je m'assois, je suis d'abord discrète. Je n'ai même pas envie qu'on sache que la voiture est là. Vous m'invitez quelque part et mes warous. Je suis toujours assise comme ça. Je ne veux même pas. Même pour aller pisser. C'est pour ça qu'avant de partir quelque part, j'ai vidé d'abord ma vessie ici. Parce que quand je sais que je m'assois comme ça, c'est quand je vois que c'est tout, que la cérémonie dure souvent là, que je ne m'en vais pas mon sac. Et je fais comme si je m'en vais dehors, je fais ma voiture est là. Je me suis toujours fait discrète dans les soirées. Parce que je n'ai pas trop envie. Parce qu'il y a des gens qui me filment à leur guise pour aller que je fasse un faux pas. On filme, on va mettre dans les pages à la con. C'est tout. Il y a quoi? La vie, si vous faites attention. Oui. Oui. J'avais supplié à Kwekwe Touke. Machin fait ceci. On m'a fait quoi? Je ne suis plus là-dedans. Il faut faire attention, hein. Donc, Fleur-Denis, toi, tu crois que les gens ont peur de toi? Moi, je n'ai pas peur de toi, hein. Oui. Je n'ai pas venu pour m'attaquer ici. C'est moi-même qui a dit que tu as pris ma bouteille, tu m'as tapé sur la tête ici. Je ne disais pas qu'elle a dit quoi. Tu es rentré avec les. J'ai été dosé ici jusqu'à. Tu sais que je suis non. Tu veux que moi, j'ai peur de toi? Dis donc, fils la paix. Mais tu n'es pas, hein. C'est même qui ça? Une rate. Voilà, alors maintenant. Tu es où? Tu attires la tension partout, une tension négative. Oh, je n'ai pas couché avec telle personne. Alors que tu es. Oh, ça fait des années. Je vous dis, mais moi, je vous dis, mais. Hein, mes gens. C'est une fille que je n'ai même plus. Je ne suis même. Moi, je ne connais même pas sa maison, je ne connais pas ma maison. Tu as tout dit. Pourquoi tu étais là, registré tout. Vos faits et gestes. Tu n'es pas, c'est toi qui l'as amené dans les réseaux sociaux. C'est toi qui l'as montré comment faire. Elle t'a eu. Parce qu'elle savait là où ça va finir. Mais va faire les intro vitro, lui de couper soin à ton mat là, va te mettre ton enfant, parce que tu n'as pas d'enfant, tu parles à qui? Je suis une grand-mère, une mère d'enfant. Moi j'ai mes enfants. Qui me respecte? Mes petits-enfants. Je suis mère des Naongwe. C'est du n'importe quoi, tu parles à qui? En tant que tout le monde est pareil. Moi je t'insulte, je te lave quand je veux. Je ne veux pas entrer dans tes conneries là que tu laves, que ma chef fait ceci. Non.
nous sont la bouche. Mais tes injures sont que les injures des filles de la basse, que la basse cour. Les filles qui ont grandi dans le Haut-Goudou. Moi, j'ai fait ma vie au Cameroun. Oui, j'étais à quoi? Oui. J'ai voyagé en avion pour aller à Yaoundé. À l'époque. Dans les années 90, tu entends, non? Les safaris. Les baza, baza, baza. Mon Dieu. Tu parles à qui? C'est ma tête qui fait que une comme toi, tu peux me mépriser. Non. La peine ne fait rien. La sagesse. Imbécile. Voilà mes deux mounas que moi j'ai eu. J'ai fait venir ici. Ça vous dit rien. Mes mounas sont là, non? Elles sont, non? J'ai trouvé un père vite fait, bien fait. Tout le monde est content. Dégrément. Oh, je donne où? Dégrément. Nous, ça s'appelle Dégrément. C'est une famille. Elles ont un nom. Alors, toi, tu as quel nom? Magina. Ton nom de mariage, c'est qui? Chevalier. N'oublie pas que quand on était au commissariat, on n'a appelé que Camerounaise. Française d'origine camerounaise. Oui, avec ton passeport français. On ne t'a même pas dit que tu étais française, non. Toi, tu crois que tu as les droits. Tu n'as aucun droit ici en France. Tu travailles, hein? Tu travailles où? Tu as déjà fait quoi ici en France pour dire que non? Tu as mis 30 minutes de ton temps pour m'aller laver les assiettes quelque part. Non? Parce qu'on t'a mis de moineau que tu es star. Mais tu n'es pas star. Tu vas toucher quelle retraite? Moi, j'ai touché ma retraite. Hein? T'inquiète. Je suis comme toi. C'est parce qu'on ne parle pas ici à Facebook. On doit tout montrer. Hein? Les mêmes gens, les Bénin, Moncam, les Ngossa, vous tournez dans la merde, vous tous. Dans la même merde. C'est tout avec vous. Madame Dégrément est connue. Hein? Quelqu'un me fait que pas que j'appelle la police, c'est que c'est Madame Dégrément, c'est que sort. On dit seulement que sort. C'est fou. Hey, ma mère, le papier, vous connaissez laquelle c'est quand ma mère est venue. Je connais. Elle a voyagé de Boza à Boza pour arriver. Quand ta mère est arrivée, elle était habillée comment? Les chaussettes de ça. Elle était habillée avec quoi? Elle était habillée comment? Tu parles de la mère de qui? Regarde-moi cela. Les gens qui méprisent les mères en direct. Là, je suis ma faute. Ta maman avait dit que tu es quoi? Ma faute. Maman, la honte allait te tuer le jour. Elle dirait qu'elle est là. Elle fait le direct, dit qu'elle est ma faute, de ma faute. Ta maman, la première fois qu'on entend la voix de la maman de ma faute, elle dit ma faute. Elle était étonnée que sa fille dise qu'elle s'appelle ma faute. On a dit que ça se passe comme ça. Tu me respectes, tu respectes. J'ai dit que je suis avec René Bio, une place. Avec les gens de Koukoukou, une place. Chaque personne garde son mime, mais on est une place. Tu dis que je t'appelle Ngoui. Tu es Ngoui? Est-ce que c'est moi qui t'appelle Ngoui? Ngoui sort d'où? Waros. Ngoui sort d'où? De chez Ngoussa. Maintenant tu viens tout de ça que je t'appelle Ngoui. Mais attends, tu n'es pas Ngoui. Tout le monde t'appelle Port de Foukoui. Tu veux mettre ça dans ma tête. Eh, pardon. Pour avec ta malchance. Tu n'as pas honte que c'est toi maintenant qui part errer chez. C'est maintenant toi qui part gratter l'amitié à Ngoussa. Oh, les Waros. Le mot jamais, le mot, tu sais, vous savez, tous les mots qui existent hein, dans les dictionnaires, chien, chat, abruti, machin, tout. Je ne sais pas qui a créé ces mots. Ça existe vraiment. Quand on dit ne dis jamais, jamais. De voici aujourd'hui, tu es où? Ma co de quoi? Vous partagez une femme ensemble? Hein? Tu avais que tu avais rendu Ngoussa abruti, non? Aujourd'hui, elle est où? Elle est abruti. C'est toi qui fais ce que Ngoussa commence à insulter qui même là? Une femme là, je ne sais pas qu'elle a insulté là. Tatiana? Parce que comme tu as été souillé, il faut aussi que tu es souillé. Alors que c'est toi qui envoies les vidéos. Là où on tape Ngoussa. A quoi quoi tout? Et elle a gardé. Oui. Ngoussa t'a envoyé les vidéos. Et toi tu envoies quoi quoi tout? Père Marco, garde-nous son frère. Non. Quand ça va gâter un jour encore, on va faire ceci. Tu ne savais pas que Saint-Michel, quand j'étais là en train de prier, que tous les gens qui m'ont fait du mal, j'avais dit qu'après le conseil de l'Église Ponce, les retombées seront là. Aujourd'hui, on est où?
Ben oui, voilà. Hein. Tu resteras fleur de l'île. Ben oui. Tu ne resteras même pas fleur de Paris. Voilà le problème. Ben oui. L'international PDG des carnivaux que tu es. Tu parles à qui? Moi, j'ai fait I. Une fois I, deux fois. Deux fois I, I s'est passé. Toi, tu as déjà fait I. Tu es très méchante. La plupart des femmes qui n'ont pas accouché ici, elles sont très dures. Oui. Quand nous, on prenait nos temps pour aller accoucher, vous étiez où? Maintenant, vous voyez les vérités qui sortent sur vous dans les réseaux sociaux, ça devient que oh, la veuve joyeuse est méchante. Je m'en fous, c'est mon anniversaire. Samedi, vous fêtez ici. Je fais mon anniversaire ici, dans mon bungalow aussi. Je vais danser. J'ai déjà pris ma petite robe. Je serai classe, bien habillée comme d'habitude. Je vais m'habiller avec les robes. Je dis que j'ai payé ça chez Empire. Quoi ça, Empire? Tapez Empire. Eh oui. Cette robe, je vais porter. On va aussi me voir à Facebook. Avec mon argent. Effet personnel. Ce n'est pas l'argent qu'on me donne. Parce que depuis là, je ne vois plus rien. Personne ne me fait plus rien. Mais bon, je me débrouille. Ah, attendant quand même, j'attends quand même les petits. Je n'ai plus la carte PCS. Quand la fois je laisse la carte PCS, c'est là que vous commencez avec les cartes PCS. Moi, je savais, mais quand je vois mes petits. Maman, quand tu peux mourir quand tu vois mes petites publicités qui passent comme ça. Les petites publicités passent. Tu peux mourir. Ta monétisation est où? Ta monétisation, ta Youpougon. J'ai dit que. Regarde comment j'ai la publicité de ça. La terre est vraiment sale, très sale. Regarde la publicité. Oh, que cabot. Tu es interdit bancaire. Tu n'as même pas, comment on appelle ça, les fiches d'imposition. Mets tes fiches d'imposition. Je ne mets même pas les fiches d'imposition. Mais. Moi, j'ai ma part ici. Tu as ta part. Les moments là, quand ils voulaient monter sa part, j'ai été avec les Apoutou, les Youpougon, je t'ai dit que. Tu as vu comment ils font leur soirée? Classe chic, élégant. On vous a invité. On ne vous a pas invité. Ils ont compris que vous m'avez laissé les ratés-ratés là. Dans la merde. T'as raté-raté. Pardon, on est là combien de temps là? Je vais dormir. Demain matin, je me lève tôt. Mais c'est ouvert, non? Les gens peuvent venir. Est-ce que moi, je ne refuse pas? Mais il faut seulement bien se comporter, c'est tout. Il ne faut pas les crier ici. La terre est sale, hein? La Black Beauty. La terre est sale, hein? Et monde comme on est. Oui. Oui. Et monde comme on est. Oui. Ici, c'est comme ça. C'est pas comme tout le monde court pour la monétisation. Vous partez aussi faire. Voilà même celle qui m'a monétisé ma page, qu'elle-même, elle m'a retirée en tant qu'admin. Je ne sais pas pourquoi. Les injures, les matins, midi et soir. Hein? Attends, on est où là? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein? Quand je fais mes anniversaires ici au Ganda, moi j'ai l'espace. Oui, il y a une grande chambre là. J'ai le dehors, les gens peuvent fumer, les gens peuvent descendre et tout. Tu as connaissance qu'on se comporte bien civilisé, c'est tout. Et à quoi? Moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait de fête ici. J'ai dit que je refais une petite fête. C'est bien, non? En tout cas, quelqu'un, c'est pour te répondre que tu aimes toute ta vie, c'est dénigrer les autres. Mais au contraire, quand tu dénigres les autres, tu te dénigres encore toi-même tout seul. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai jamais prétendu que machin fait ceci. Mais sache qu'aucune autorité française ou camerounaise ne te connaît. Tu vas passer ta vie à insulter les gens, à faire rire les gens, à dénigrer les gens. Les injures, je connais depuis des années que je connais les injures. Des injures. C'est les rabaisser les gens. Mais quand on te voit, on me voit. Il n'y a pas match. Moi, j'ai tout ce que tu n'auras jamais. Toi, tu es toujours marié avec Monsieur Chevalier. Tu n'as même pas encore fini de payer
l'argent de monsieur Chevalier pour qu'il te laisse. Elle aussi, un jour, elle fait des rêves. Hein? Je vais appeler mon gars. Maman, le gars, le blanc parlait. Tu n'as pas encore fini de payer, hein, et tout, et tout. Depuis des années que tu t'es marié, tu n'as pas fini encore de payer la nationalité, là. Hmm? Le blanc, lui, n'oublie pas, hein. Le jour qu'il va te faire ça, Dieu, si tu es ici, va payer bien. Tu ne payes pas, un jour, il va aller dire que non, c'est un mariage blanc. Le mariage blanc qu'on fait là. Bon, vous n'avez pas fait de mariage d'amour. Moi, j'ai construit bien mon mariage. Bien, on m'a mené à la mairie. Hein. Oui, et j'ai fait profiter mes deux bâtards, comme vous dites. Et mes deux bâtards sont les hommes, non. Vous avez quoi? Tu as quoi? Mais voilà, je vous laisse, c'est fait tard. Demain matin, je m'en vais travailler. Je vais prendre le train très tôt pour aller. Hmm? Mais tout est fou. Les seins sont fous, le ventre est fou, les yeux fous. Hein? Vous n'avez pas dit qu'on a pris du poids? Oui. Alors qu'au début, qu'elle avait fait ça, ouh, elle était magnifique, un beau petit corps. Valérie Amougou, je t'attends ici. Tu vas venir danser sur Nganda. Oui. Arrêtons un peu, c'est quoi? Attends, toi, on dit non, tu n'as même pas de problème avec quelqu'un. Bon, pas du moins, tu m'insultes par rapport à quoi? Est-ce que j'ai insulté un jour ton anniversaire? Tu as ton anniversaire, c'est passé en septembre, là, le 14 septembre, un truc comme ça, ou c'est pas le 7 septembre, le 9 septembre. J'étais pas sûr que j'ai l'anniversaire, c'est vrai. Est-ce que j'ai fait un scandale? Est-ce que moi j'étais insulté à ton anniversaire? Non, j'ai respecté, j'ai dit que non. Soit je danse pour elle, soit, hein, je décoche ou non. Attends, je te donne mon numéro de WhatsApp. J'écris mon numéro de WhatsApp ici. Ah, Valérie, tu es lancée. On a volé sur à Château Rouge. Attends, je vous mets mon numéro au WhatsApp. 0611 78 95 59. Voilà mon numéro au WhatsApp que je vais épingler ici. Parce que mon numéro que tu connais là, on m'avait... Notre chef de Hauts-de-France. Voilà mon numéro au WhatsApp. Moi, je ne réponds pas à Messenger. Messenger est dangereux. Quand parfois, tu le prends comme ça, on prend ton compte. Moi, mon numéro WhatsApp, pour les gens qui veulent m'appeler, on voit quelque chose. C'est mon numéro WhatsApp. Attendez que je finisse mon direct. Et puis, je vous prends. Donc, j'ai 62%, donc ça va. Nous, on a le numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. L'autre numéro que tu avais là depuis là, ça sonne, mais ça sonne sur quelqu'un d'autre. Mon numéro là sonne chez quelqu'un d'autre. Ça, on m'avait volé. La personne qui a volé mon téléphone là, il a volé mon téléphone, hein, et il a volé tout avec là-bas. Et moi j'étais obligé de jumeler mes trucs avec eux. Donc voilà. Mais s'il faut venir à. Moi je reçois. Hein, moi, je reçois. Vous savez pas, je suis une fille boulée. Hein, moi je reçois bien. Hein. Oui, oui. Je dis qu'on se sert. On va se serrer qu'ici. La maison, si tout le monde se sert ici. Depuis des années, c'est comme ça. Oui. Attends. Allô? Oui. Eh, Mordian, c'est comment? Je suis là pour Mordian, joyeux anniversaire. Merci, ma, merci. Merci, Valérie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Il t'apporte la bénédiction, la grâce, la santé, le bonheur. Surtout la santé, surtout la santé, parce que j'étais très malade. Merci. Surtout la santé, nous qui sommes déjà à 16h30 là, on mérite notre santé. À 16h30. On est déjà à 16h30. Oui, mais ça m'avait beaucoup affecté, hein. J'étais malade. Hein. Mais pour moi, c'est quand tu sais comme mon âme. Je suis une personne, quand quelque chose m'arrive, les gens ne me croient pas. J'étais vraiment malade, mais ça va déjà. Ça va déjà, parce que je n'arrivais pas à parler. J'étais très malade, là, mais Covid. Baisse un peu quelque part là-bas. Si, ça va. Non, ça va déjà. C'est pour ça que je veux faire un peu une petite fête pour danser un peu avec les gens qui vont venir. Tu vois, non. Donc, voilà. D'accord. Bon, je t'attends alors, hein. Si tu es dans les environs. Tu m'enverras la graisse. D'accord, je t'envoie la graisse. Ça veut dire à quelle heure? À 20h. À 20h,
Oui, si tu n'as pas, tu n'as pas là où dormir, il y a des chambres ici, tu dors bien, hein? Ici, on dort bien. Non, on ne peut pas te coincer. Ici, on ne coince pas Valérie Amour ici. C'est hors de question. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. C'est gentil. Merci. Okay. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà. Mais, tu es Natacha au téléphone. Je t'appelle le week-end. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est un petit anniversaire. C'est juste pour rigoler. C'est pour faire la bonne humeur un peu, quoi. Parce que depuis, vous savez que depuis la CAN, depuis il y a eu l'histoire de la CAN, les managers et tout, je n'ai pas fait un truc pour rester un peu ici avec les gens, tu vois un peu. C'est vrai que les gens arrivent un peu dans le noir, c'est vrai. Mais je veux faire un truc comme ça, on s'amuse et tout, on boit, on est content, tu vois un peu, un petit truc comme ça, quoi. C'est tout. En dehors de ça, sur ce, je vous laisse, parce que demain matin, je me lève très tôt. Maintenant, j'ai trouvé le travail là-bas à Boulogne-Billancourt. Donc, je vais aller à Boulogne-Billancourt tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous embrasse. Respectez-nous et nous serons vous respecter. Quand je ne suis pas comme toi. Oui. Je bois peut-être les mouscadors, mais mon mouscador est plus intelligent que pour toi. Donc, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous garde. Que le sang de Jésus-Christ vous protège, vous et vos enfants et votre demeure. À bientôt. Ciao, à demain matin. Ciao.